Les députés examinent aujourd'hui ce projet de prolongation de l'état d'urgence en Outre-mer. Oui, face à la situation épidémique de nos régions, le gouvernement envisage cette prolongation en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et en Polynésie française. En Outre-mer, la situation est tendue. En Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, les situations se dégradent rapidement. La délégation aux Outre-mer a donné un avis favorable, mais estime ce texte, je cite, technique. Ce sont les mots d'Olivier Servat, le député de la Guadeloupe, président de la délégation aux Outre-mer. Il est en direct avec nous dans cette édition. Olivier Servat, bonjour. Bonjour aux auditeurs d'RCI, bonjour à vous. Oui, c'est Guadeloupe la première. Votre discours, Olivier Servat, devant la commission a été clair. Ce projet de prolongation est trop froid face à ce que vivent nos régions. C'est un texte technique qui est nécessaire parce que prolonger l'état d'urgence vu cette quatrième vague, c'est permettre aux instances préfectorales d'avoir par exemple des possibilités de confinement ou des possibilités de couvre-feu. Mais nous l'avons dit, la délégation l'a dit et tous les députés de tout bord confondu, même si en très large majorité devraient voter ce texte, il s'agit de se poser des vraies questions sur la situation sanitaire en Guadeloupe et en Outre-mer et la situation économique. Aujourd'hui, des questions se posent sur aller plus loin sur la capacité à produire nous-mêmes notre oxygène. Des questions se posent sur les infirmiers libéraux qui ont besoin d'avoir accès directement au service du 15 ou du 18 ou même pouvoir faire des prescriptions pour permettre à des personnes d'aller aux urgences. Aujourd'hui, on se pose la question de l'applicabilité du pass sanitaire, notamment pour les soignants. Le ministre environ lui-même a remis en cause cette obligation vaccinale en disant qu'on remettra ça à la quatrième vague. Il y a des hommes et des femmes qui meurent, qui sont inquiets. Et de point de vue économique aujourd'hui, on manque de réponse sur l'applicabilité du fonds de solidarité. On manque de réponse aujourd'hui sur l'applicabilité des coûts fixes pour les entreprises qui jouent, et notamment les PME. Olivier, on demande à ce qu'il y ait des réponses au-delà de cette mesure technique. Olivier Servat, vous l'évoquiez, il y a de nombreux décès. La Guadeloupe paye un lourd tribut. Beaucoup accusent l'État qui a laissé le CHU dans des conditions difficiles alors que l'épidémie arrivait. En tout état de cause, je crois que chacun doit prendre ses responsabilités. Tout d'abord, chacun d'entre nous, hommes et femmes guadeloupéens, mesure barrière. Geste barrière, ça c'est la base. Ensuite, je l'ai dit, tous ceux que j'aime, je les appelle à se faire vacciner, même si je suis contre l'obligation vaccinale, bien évidemment. Ensuite, il faut effectivement que l'État aussi puisse se poser des questions très claires sur notre CHU qui a brûlé. Pourquoi aujourd'hui nous avons un manque de système sanitaire efficient, efficace, c'est pas moi qui le dis, ce sont ceux qui sont venus voir et qui ont pu comparer le système sanitaire en Guadeloupe par rapport à celui de l'Hexagone. Aujourd'hui, on se pose des questions et on doit faire preuve de transparence sur quels sont les moyens pour soigner ceux qui sont touchés par le Covid. Est-ce qu'ils ont droit à l'ivermectine, à l'hydro et chloroquine? Est-ce qu'ils ont droit à d'autres types de traitements tels que les anticorps monoclonaux? On doit faire preuve de transparence, on doit faire preuve aussi de vérité en constatant que le système sanitaire est largement perfectible en Guadeloupe. Il y a, Olivier Servat, la situation sanitaire, mais aussi la relance économique. Les présidents de collectivités estiment que la note sera salée et en appellent au gouvernement pour une aide en profondeur de nos économies. Oui, j'ai travaillé toute cette semaine avec les différents représentants économiques de la Guadeloupe et des Outre-mer. J'ai travaillé avec les représentants de ces instances pour que nous puissions, dans les tout prochains temps, et j'ai déjà eu une rencontre avec le cabinet du ministre des Outre-mer, le cabinet du ministre de la Santé, et on aura une rencontre avec le cabinet de Bercy, pour leur faire comprendre ce qu'ils doivent comprendre, c'est que les Outre-mer sont spécifiques, que les petites et moyennes entreprises souffrent, que l'économie est déjà fragile et que l'état d'urgence appelle au-delà d'une prolongation de celui-ci des mesures urgentes tout aussi adaptées pour nos petites et moyennes entreprises. Et donc, nous leur avons transmis une note et nous comptons que d'ores et déjà, cet après-midi, le ministre qui est au banc puisse nous donner des réponses au-delà de l'aspect technique et que nous continuons à travailler vers le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale dans les quelques semaines à venir pour que des mesures énergiques et concrètes
puisse permettre de soulager les économies et les hommes et les femmes en Guadeloupe et en Outre-mer. Merci, merci Olivier Servat. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes dans le train. C'est pour ça que nous avons une qualité moyenne, hein, une qualité de liaison moyenne. Merci en tout cas d'avoir été en direct avec nous. Merci, M. Besmaï.